Bonsoir Kenji. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ici dans la salle du pavillon d'or, à Tokyo, dans les bureaux de Buffet Crampon. Et vous avez fait l'honneur de venir essayer notre nouvelle clarinette que nous nous apprêtons à présenter au prochain Salon de Francfort et en mars prochain. J'aimerais savoir quelles sont vos premières impressions. Oui, la première impression, c'est le son est centré et puis très homogène. D'accord. Homogénéité dans tous les registres. Ouais. Puis c'est pas mieux que ça, Tosca. D'accord, parce que vous jouez habituellement Tosca. Ouais, c'est ça. Je rappelle qu'en fait vous êtes soliste à l'orchestre symphonique de l'NHK, ici à Tokyo. Vous jouez les clarinettes Tosca à l'orchestre. Ouais. Mais il me semble que vous jouez aussi des clarinettes assez prestigieux. Voilà. Vous jouez les deux modèles en fait. Je joue les deux modèles. Alors, il y a une utilisation particulière pour les RC Prestige? Je prends RC Prestige pour jouer la musique de chant. D'accord. Parce que vous faites aussi beaucoup de musique de chant. Ah oui. Lorsque vous avez essayé ces clarinettes, c'est-à-dire le modèle en si bémol, là, est-ce qu'il vous a paru une différence entre les deux clarinettes? Je trouve pas de différence. D'accord. Entre si bémol et là. D'accord. Vous pouvez très bien alterner si bémol et là, sans sentir la moindre résistance supplémentaire. Vous avez exactement la même sensation. Oui, la même sensation. Très bien. C'est juste longue. Oui, oui, c'est ça. C'est la différence de long. Oui, c'est ça. Le tube est plus long. En fait, ouais, c'est ça. Alors, on parlait de votre activité, c'est vrai, au sein de l'orchestre, vous y êtes soliste. Vous faites également beaucoup de musique de chambre, parce que vous avez enregistré dernièrement un enregistrement, un CD, dans lequel on y retrouve des pièces de Schumann, des pièces de Saint-Saëns, des pièces de Planck, il me semble qu'il y a de Debussy également. Pour quel genre d'activité recommanderiez-vous cette nouvelle clarinette? Je pense que on peut utiliser pour solo, pour musique de chambre aussi, mais aussi dans l'orchestre. D'accord, c'est-à-dire que cette clarinette projette suffisamment pour passer au-dessus de l'orchestre. Ouais. Bon, très bien, merci beaucoup Kenji. C'est un vrai plaisir pour nous de vous recevoir, de vous être prêté au jeu de l'essai d'une nouvelle clarinette qui est ici pour l'essai à son stade de prototype et elle sera présentée définitivement au Salon de Francfort avec les accessoires qui l'accompagnent. J'espère vous revoir très bientôt et je vous souhaite une très bonne continuation pour le reste de vos concerts. Merci beaucoup. Merci beaucoup.